Bonjour, internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons les habitants de Geldenbourg dans leur petit village. Le clan du Cygne se développe. Nous avons plein de prisonniers que nous espérons pouvoir recruter bientôt afin d'agrandir notre population. Nous espérons toujours que Malvinette, on va arriver à aller la choper. Nous avons des quêtes, nous avons toujours notre monument pendant 6 heures encore, ça devrait le faire. Nous avons un site agricole, j'ai pas vraiment besoin de pommes de terre. Là, je vais pas y aller parce que c'est quand même des potes, donc voilà, enfin, des potes potentiels. Ici, je pourrais récupérer des composants, ça c'est toujours utile. Et là, du cuir. Le cuir, est-ce que vraiment j'en manque? Ouais, je pourrais faire, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Onyx s'est remise de ses blessures. Là, toc. Je manque. Oui, donc c'est Roro qui me fera office de chercheur. Quand je pourrais le faire. Est-ce que... Ouais, donc du coup, je peux faire de rituels de conversion. Inspiré par la négociation, ben, c'est pas très très grave. Ah, et un raid. Alors, les indigènes, ils attaquent immédiatement, particulièrement doués en tactique de combat. Et dedans, j'ai le fils d'Ardarine. Eh ben, lui qui était déjà pas très bien dans le moral. Et en plus, on lui tue son fiston. Ah, ça va être cool. Alors, combien sont-ils? Ils sont trois là. Ils sont deux là. Et un là. Porc-épic qui est tout seul, qui arrivera à la fin. Bon, et ben ok. Alors logiquement, ils vont faire le tour. Donc logiquement. Non, c'est par là. Donc c'est Porc-Épic qui va arriver en premier. Brodaf, du coup, nettoyer les décombres. Ok. Pourquoi est-ce que. Ah oui, je sais. Je sais pourquoi. Parce que chaque fois que je reconstruis un truc, ça, je veux pas que ça fasse partie de ma zone de base. Bon. Eh ben, on va fight, hein. Allez. Mobilisons-nous. Et un drone psychique sur les femmes. Paglop. Bon, bah, adieu, mon fils. Bim, bah voilà. Risque de démence majeure. Ah non, c'est Célestine. Et Ardarine, ça lui fait quoi? Ça lui fait rien? Mon fils Porc-Épic, moins 20. Bam! Pas content. Kékong! Je te jure. Tous des cons, ces fils. Allez, on s'abrite. Tac. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Tac. 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 Bim. Ah, Célestine est en consommation excessive d'ambroisie. La promène. Bim, voilà. Problème réglé. Et je récupère 25 herbes médicinales. On va pas faire la tronche.
Et Célestine va se... je vais pas l'autoriser, mais... ça va lui redonner du baume au cœur. Hein. Sous effet d'ambroisie, plus 5 de morale. Bon. Sais pas ce que ça fait au niveau... médical, l'ambroisie. Si je peux, je peux le voir. Santé. Non, c'est ça qu'il faut que je regarde. Ça améliore l'humeur, c'est tout. Bon, c'est juste. Bien. Il est temps de. Il faut quand même vraiment que je me fasse. Ce sera papillote. Ah oui, une papillote n'est pas. Ne peut pas être technologiste puisque elle n'a pas la bonne croyance. C'est un peu chiant. Ça peut être Ardarine. Ardarine, il y a combien? Sociabilité 3-15. Ouh. Bon. J'avais besoin d'un peu de marbre pour terminer. Bon, ça c'est calcaire. Frénésie insulte. Eh ben, allez, c'est la grosse fiesta. Hein. Là j'ai. Non, c'est du calcaire aussi. Il est où mon marbre? Très bien. Le marbre, j'en ai là. Je serais pas content parce que j'ai miné, mais on fera avec. Plus rapide de faire comme ça. Bim, voilà. Histoire comme que je puisse terminer ce Mangazor qui insulte tout le monde. C'est un peu la merde sur mes idéologies. Comme j'ai plus ma lunette, c'est chiant. Parce que du coup, je peux plus convertir en fait. Allez, on accélère. C'est bon. Crise de foi. Ardarine. Bah super. Tout remettre en question. Ouais, bah oui, forcément. Je savais bien qu'Ardarine, il a pété un câble à un moment. Bim, zéro en humeur. Ah ouais, il se fait insulter, il se fait... Pff, c'est la fête. T'as raison, Mangazor. Continue d'insulter. Addiction à l'ambroisie, super. Ah, fait chier. Ardarine ne se cache plus et Mangazor arrête d'insulter tout le monde. Ah oui, bah ça y est, forcément. Ah oui, d'accord, tu m'étonnes. Elle s'est sifflée à la moitié du stock. Oh la conne. La conne. Oh bah, de toute façon. Oh là 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 là. C'est dommage, c'est bien quand on peut revendre ça. Ça fait des sous. Elle est complètement tolérance à l'ambroisie forte, ouais, tu m'étonnes. Addiction. Alors le problème c'est que quand elle a une addiction. Célestine, allez, je lui interdis. Bon bah normalement elle devrait pas y toucher. Bon l'avantage c'est que c'est une addiction qui va augmenter. Ouais, de toute façon je peux pas y faire grand chose. Hein. Ah là 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 là, fait chier. Bon, j'ai masse du mot. Je vais en faire un autre. Deux. Saut. Où est-ce qu'elle est, ma binouse? J'en ai pas encore de terminé.
fauteuil en tissu, très bien. Crise de boulimie pour papillette. Eh ben c'est la fiesta. Putain, c'est les uns derrière les autres, quoi. Bordel. Bon, j'ai quand même un peu plus de stock de bouffe. Je vais pouvoir refaire du plat végétarien. Du plat raffiné. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est d'abord raffiné, puis végétarien. C'est ça que je voulais faire. Je passe à 6. Et je veux que tu arrêtes quand satisfait. Hop. Et Smeuil se fâche aussi. Pff, oh là 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 là. Crise de colère. Ouais, casse tout. Donc tu casses pas trop, ça me va. Contrôleur météo pour Morgan. Alors, qu'est-ce que tu veux, Morgan? Morgan Skelton. Arco technicien vous demande de l'aider. C'est nous. Si elle le fait, donc elle veut venir me rejoindre pour 2 jours. Contrôleur météorologique qui affectera, qui faudra du brouillard pluvieux. Et des Alpha Castor chasseurs d'hommes. Bon, ça j'arriverai à le gérer. J'hésite entre les deux. Je m'entends déjà bien avec eux. Médicaments avancés, ça peut. Composants avancés, c'est bien aussi. J'en ai pas besoin tout de suite. Mais. Allez, on va accepter pour ça, ça me fera peut-être des alliés. Hop. Météo non naturel, bah oui. Yeah, c'est bon, tu t'es calmé. Ah, carrément, t'as pété ta chambre, ta porte, quoi. Ouais, je te jure, Smeuil vient là. Change de chambre. Parce que là, t'as plus de porte. T'es de couillon. Là, je vais m'autoriser. Et papillote qui bouffe. Attends, oui, non, en fait, tant que papillote bouffe, je vais pas faire de. Ah non, mais c'est bon. Le cri est passé. Qu'est-ce qui a pété? Qu'est-ce qui a pété? Eh ben bravo. Ça fait vite. Allez, on va éteindre le feu. Alors, une nouvelle quête disponible. Vendre à Cité de Chou-fleur. Cité du Chou-fleur. Elle aurait des robes de qualité normale ou mieux? Ah, elle en veut 3 robes. Est-ce que j'ai de quoi faire 3 robes en fait? C'est le problème, c'est que j'ai pas assez de matériaux. Une robe, ça nécessite quoi? Une robe, c'est où les robes? C'est où les robes? Robe, ça nécessite 80. Ou alors sinon, il faudrait que je fasse. 80, je peux en faire une seulement. Sinon, il faut que je fasse du patchwork. Ah, je vais pouvoir me faire, je vais me faire 2 patchwork. Ça en donne combien? J'ai pas l'habitude d'en faire. Requiert 50 cuir. Ça permet de mélanger en fait des différents éléments, donc je vais pas faire du cuir d'oiseau.
Je vais voir combien ça en fait. Ce qui me permettrait d'en fait de combiner plusieurs éléments en un seul. Et donc du coup de me faire éventuellement les trois robes. Alors je vais les programmer. Et puis alors il faut que ce soit Smoy qui les fasse obligatoirement. Puisqu'il faut que ce soit de qualité normale au moins. Pourquoi j'ai plus de courant? Ah, parce que ça a coupé ici. Peut-être que j'ai aussi. Je commence à être un peu just. Ah, c'est que j'ai plus de bois. Mon Dieu. Va me mettre du bois là-dedans, couillonne. Voilà. Alors toi, tu vas me prioriser ça. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Fabrique un patchwork. Ah oui, là, donc... Ça m'en fait combien ça m'en fait? D'accord, 50. Donc, je vais t'en faire faire d'autres. Puisque j'en ai besoin de 80, donc il m'en faut 100. Là, tu m'en payes 200. Puisque j'ai besoin de deux robes, donc 160. Je veux que tu me fasses ça en priorité. Hop. En espérant que j'en ai assez, 200. C'est bon. Oui. Non, c'est bon, j'en ai 200. Merde, bon, je vais en avoir trop, tant pis. Qu'est-ce que tu me fais? Hop, maintenant fais-moi des robes. Puisque je peux faire du coup un cuir d'oiseau et... Hop. Du coup, il faut que j'accepte la quête. Eh ben on va... Ah, robe en Eltex. Ouais, j'en ai pas super besoin. Composants C. Allez, on va se garantir d'excellentes relations avec le pacte d'Anunt. Je vais me faire un autre truc pour mettre du bois. Hop, copier les paramètres, coller les paramètres. Alors, où est-ce qu'elles sont mes robes? Comment me terminer, fabriquer? Putain, c'est rapide. Vache. Est-ce que j'ai bien trois robes en de qualité normale? Non, je voudrais des robes. Robes. Elles sont où les robes? Là. Bonbon normal, très bien. Donc j'ai mes trois robes. Je vais pouvoir les faire ma quête. Puisque mes gens sont un peu moins dans le mal. Alors j'ai deux trucs à faire du coup. Alors, on va aller voir un peu comment ça se configure. Donc moi je suis là. Je dois aller complètement à l'opposé, formidable. À la cité du chou-fleur et je dois aller péter ici. Alors, j'ai combien de jours pour aller à la cité du chou-fleur? Expire dans 12 jours. Là, j'ai quoi? C'est de l'acier. De l'acier, j'en ai combien? De l'acier, j'en ai 921. J'en ai pas un besoin impérieux tout de suite. Ça, on avait dit que j'en avais rien à faire.
Outre. C'était les composants, j'aurais sans doute fait les deux. Là, j'ai deux Alpha Castor. Ah oui, c'est d'accord. Mon Dieu. Bon, eh ben, on va aller régler. Je vais aller faire du commerce. L'avantage, c'est que pour ça, j'ai besoin de pas grand monde. J'ai juste besoin de quelqu'un qui cause bien. Donc, qui cause bien, c'est. Mon meilleur causeur, c'est Papillote. Papillote, je te propose, puisque tu as, oui, 8,58 en sociabilité, d'aller me faire une petite caravane, tac, pour aller à la cité du chou-fleur. Hop, et tu vas y aller avec. Ça, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai un. C'est un mâle ou c'est une femelle, ça? C'est un mâle. Et ça, c'est. Une femelle, d'accord. Bon, très bien. Tu vas y aller avec Carlito et Carlitette. Qu'il va falloir que je renomme après. Hop. Visibilité 49. L'objectif de la visibilité, en fait, ça permet de. Ça diminue le risque de se choper une embuscade. Alors, tu vas aller faire un peu de commerce. Tu vas choper. Alors, les pétards, l'ambroisie. Tu vas me choper tout ça, je m'en fous. Ça, à la limite. Ça se revend bien. Tu vas récupérer. Tous les trucs dont j'ai pas grand chose à faire. À la limite, la masse, je vais peut-être la garder. Je vais garder une lance. PM lourd, ça peut être pas mal. Revolver, je m'en fous. Tout ce qui est vêtements comme ça. Alors, je vais faire un tri. Médiocre. Tout ce qui est médiocre, je l'embarque. Ce qui est horrible, je l'embarque. J'en ai pas. Alors, dans ce qui est normal. Tissu, cuir. Donc, les trois robes, il me les faut de toute façon. Faut pas que je les oublie. Manteau en cuir fin. Parka en cuir. Bonnet en tissu. Tout ça, j'embarque. Hop. Il me faut mes trois robes. Tac. Et est-ce que j'ai d'autres trucs que je vais emporter? Des fois que j'ai besoin d'un peu plus de monnaie. Un excellent chapeau en cuir de cow-boy. Je garde. Bonnet en tissu, je m'en fous. Tout ce qui est en tissu, je vais embarquer. Le tissu, c'est pas super intéressant. Je garde le matériel en tissu, mais. Donc, ça me fait 40 kilos pour 123. J'ai besoin de faire un aller-retour quand même. Donc, tu vas me prendre. Hop. Ça fait beaucoup trop normalement. Des herbes médicinales, on n'est jamais trop prudent. Hop. Et un sac de couchage. Ouais. Dans le doute, je vais embarquer. Embarquer qui? Qu'est-ce que je vais embarquer en plus? Papillote ou Zmeuil? Zmeuil, il fait quoi? Il fait de l'artisanat et Papillote. Papillote. Ben, c'est Papillote qu'il fallait que j'embarque, de toute façon. C'est Papillote qui m'associe à Bouy, donc je vais prendre quelqu'un à distance. Célestine, artisanat, construction. Pour l'instant, je construis pas grand chose. Tu vas y aller avec Célestine, qui de toute façon fait un peu la tronche.
Est-ce qu'il y a l'une des deux quand même qui est pas trop mauvaise en médecine au cas où? Médecine 1. Médecine 2. Ok, donc on va plutôt prendre Boudraf. Boudaf. Allez. Boudaf, il fait quoi d'autre? Boudaf, il fait agriculteur. C'est mon art. C'est mon agriculteur. Non, j'ai aussi Ardarim. Allez, Boudaf et pas Célestine. Tac. T'as de la bouffe. Tiens, non, le maïs. Ouais, il faut que pour les. Ça peut servir aussi pour les ânes. Je vais en prendre 400. Ouais, j'ai une bonne visibilité. Hop. Pas trop ça, mais on fera avec. Allez, envoyez. Boum, normalement ça va aller vite. Ah. On me dit que le niveau des piles de ma souris est mauvais. Je suis sûr que vous êtes enchanté de la prendre, je sais pas si vous l'avez vu. Eh bien, branchons la souris. La caravane est partie. Ok, hop. On interdit les pétards. Voyons qu'ils auraient pu nettoyer un peu tout ce bordel. Jure. Bon, je vais peut-être me faire une chambre de plus. Il fait quelle température là? 13 degrés. À l'intérieur, c'est quand même pas hyper chaud. Ouais, je pourrais peut-être réactiver mes radiateurs. Il fait 22, donc c'est largement suffisant comme température. Là, il fait 22 aussi. Là, il fait moins 9, c'est bon. Là, il fait 21. Celle-ci, je vais désactiver. Alors, du coup, comme caravane inarrivée à la cité du chou-fleur, formidable. Eh ben, vous allez réaliser l'offre commerciale. Pouf, confirmé. Voilà, nous sommes désormais alliés. Alors maintenant que nous sommes alliés, les alliés devront parfois vous aider pour combattre vos ennemis lorsque vous êtes attaqués. Vous pouvez aussi les appeler, obtenir de l'aide à tout moment, au risque de froisser leur bonne volonté. Voilà, donc vous êtes devenus alliés, voilà, parce que j'ai plus de 75, mais ça va redevenir, ça va rediminuer. Ensuite, moi, donc quoi, je vais faire du commerce. Alors, qu'est-ce que tu peux me proposer d'intéressant? De la viande. Tu peux me proposer des composants. Tu peux me proposer des composants avancés. Des médicaments. Une plastacier. Je regarde tout ce que je peux acheter. Et puis ensuite, je vais regarder tout ce que je peux lui vendre. Ah oui, il y a pas mal de trucs sympas quand même. Langue bionique. Waouh, ça rigole pas. Je sais pas si j'ai quelqu'un qui a besoin d'une langue. Oui, il est pas mal équipé, le chou-fleur. Une épée monomoléculaire. C'est plutôt sympathique comme arme. Un PM lourd. Des pantalons renforcés, robe prestigieuse, de l'or, des. Sculpture, lampadaire et du mobilier. Ça, j'en ai pas grand-chose à faire. Alors, voilà, donc là, il faudrait que je lui donne, si je prends tout ça,
Il faudrait que je lui donne plein de sous que je n'ai pas. Donc, je vais déjà regarder tout ce que je peux lui refiler également. Hop. Les sacs en tissu, ouais, sacs de couchage, je m'en fous un peu. Vous voyez les organes, hein, c'est plutôt sympathique. À revendre en tout cas. À récolter un peu moins. Je peux éventuellement lui refiler du maïs. Hop. Ouais, vous voyez, ça commence à être pas mal. Par contre, là, je commence à être un peu light. Alors, je pourrais éventuellement lui refiler une ânesse. Celle-ci est un peu jeune. Mais est-ce que j'ai vraiment... Oh, deux ânes... Si, deux femelles, un mâle, c'est pas mal. En plus, les ânesses, ça donne du lait, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je dis une bêtise ou pas? Régime, productivité animale. Non. Ça donne pas de lait? Il n'y a pas de lait d'ânesse. Oh là là, remboursé. Allez, hop. Ça fera plus de sous. Alors, je vais pas prendre tout ça du coup. Composant avancé, ça je vais prendre. Composant, je vais prendre. Toujours utile. Des médicaments, j'en ai pas mal. L'acier, je vais peut-être pas tout prendre non plus. De toute façon, je ne peux pas tout prendre. Je vais prendre une centaine. Médoc, je vais en prendre 8. 20, pardon. Comme ça, lui, il va me donner des sous. Et tout le reste, eh ben, ça attendra. Ce qui est vraiment important dans l'immédiat. Ouais, ça aurait été top, mais c'est quand même vraiment cher. Ou alors sinon, truc pour se protéger. Voilà. On va rester avec ça. On va se faire un peu de sous, un peu de bénef. Et hop, on rentre à la maison. Bim. Voilà, en plus du coup, ça fait d'encore meilleures relations. Il reste encore combien de temps? 4,7 jours. Ok. Site minier, site de chasse. Ah oui, une façon... Ah si, celui-là, je pourrais absolument aller chercher. La résistance de jet est brisée. Bien. Et les autres, ils en sont où? 6,4 et 6. Bien. Est-ce qu'ici, je fais de la patate? Est-ce que je continue à faire de la binouze? La binouze qui n'arrive pas encore. 8 heures, si ça va arriver. Combien est-ce qu'il me reste de mou? Il me reste plein encore. Un chaman du clan des oasis. Et j'ai. Et recruté. Donc je vais désormais avoir Louris. Qui m'avait demandé lors du premier épisode d'intégrer l'équipe. Donc tu t'appelleras désormais Louris. Louris Gegen. Bienvenue parmi nous. Hop. Ah, c'est son petit Gegen. Alors je vais l'appeler Louri. Non, bah Louri. Non, Louri, Louri. Hop, Louri excavateur. Voilà. Ok.
Donc Laurie, tu dormiras là par exemple. Avec... tiens, je vais déplacer ça ici. Non, c'est pas là que je le mets. C'est... Et là, je vais y arriver. Ça qui va là. Tac. Hop. Donc ça, c'est désormais ta chambre, Laurie. Parfait. Alors, du coup, il faut que je réorganise. Laurie, t'es quoi? T'es homme zen tribal. Tu vas... Attends, est-ce que c'est pas toi qui es homme taupe noctambule? Alors, noctambule, donc du coup, il faut que j'inverse. Je me souviens jamais. Noctambule, il faut qu'il dorme entre 11 et 18. Donc, tu vas dormir entre 11 et 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, tu feras du loisir comme tes copains. Non, tu feras du loisir en même temps que les autres. Et tu bosseras. Hop. Voilà. Pas terrible. Pas terrible, ouais. Tu feras du loisir au réveil. Tac. Alors, le chaman. Et oui, il faut aussi que je règle ses priorités. Donc, Laurie, qu'est-ce que tu as de beau? Qu'est-ce que tu fais de bien? Tu mines, tu construis et tu artisanes. Et tu tires. Alors, il va falloir que je te trouve une arme de jet. Une arme à distance, par exemple un PM lourd. Ça peut être une bonne idée, ça, un PM lourd. Hop, tiens, on va me chercher ça à ton réveil. Même si t'es pas ouf en tir. Ah oui, dans les. J'ai vu qu'il était important de faire des casques. Pour mes petits gars. 2, 4, 6. 4, 6, 8 maintenant, peut-être pas en mettre pour tous, mais ceux qui seront plutôt soldats, c'est quand même important qu'ils puissent s'équiper de casques. Pour l'instant, qui ont un rôle particulier, bah, j'ai que Onyx qui est chef. Et en tant que chef, elle a besoin de porter un turban. C'est la seule qui a un vêtement obligatoire. Pour les autres, je vais en faire 7 des fois que il veuille se mettre un casque. Loury, ça va plutôt être un ouvrier quand même. Gérardin, une papillote, Célestine et Zmoï qui sont les soldats. Ouais, non, j'ai vraiment besoin de 4 casques en fait pour mes soldats. Et sachant qu'il y en a déjà une qui en a un, hop. Donc, on disait, je vais pouvoir du mal, continuer en vitesse lente. Donc, manutention, transport plus, geôlier toujours sur 2, dresseur toujours sur 4, si j'ai au moins besoin de gérer des animaux qui se baladent. Chasseur toujours sur 2, constructeur. Qu'est-ce que tu vas me faire principalement? Tu vas me faire principalement ça. Ouais, puisque tu as 7 en artisanat, ça, toujours utile. Ok. Très bien. Si vraiment tu sais pas quoi faire, tu vas faire de la recherche. Alors, chemin des oasis. Bon, je peux attendre le retour de papillotes pour faire des commerces avec eux. La nourriture se fait rare encore! Mais c'est pas possible! Hein? J'en avais embarqué 400, il m'en restait 400! Mais! Que se passe-t-il? C'est quoi ce bordel? Et mon riz, il est où? C'est à cause du brouillard?
Oh la vache! Brouillard pluvieux. Ah non! C'est que je suis en période où je peux pas cultiver. Oh merde! C'est la même merde. Putain, c'est pas possible. Oh, bon, bah, la chasse. À la chasse! À la chasse à la gazelle! Hop! Je vais me faire de la chasse. Un coup de PM. Bon, bah, on arrête de faire du raffiné aussi. Hop! Voilà, papillote. Papillote, tu vas me faire tout de suite du commerce. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Tu peux me choper mes joints. Ma bière. Hop, oui, plein de sous. Plein de bière. Mes dromadaires. Les dromadaires, ça produit des trucs ou pas? Type de lait, ouais, le dromadaire, ça donne du lait, d'accord. Par contre, pas les ânons. Donc, je te donne de la bière, je te donne des pétards. L'herbe médicinale, j'en ai quand même beaucoup. Donc, je peux, si j'en garde 50, j'ai 44 médocs. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que je veux lui prendre? Le plastacier, ça peut toujours servir. L'or, ça peut toujours servir. De toute façon, j'ai un peu de sous. Allez. Oula. Opportunité de rituel à venir. Bête sauvage. Mais bête sauvage, c'est pas les trucs de ma région. Moi, j'aimerais vraiment, 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 mais il a pas l'air de vouloir. Que je récupère ma devinette. Sniff. Oh, il y a un casque renforcé en plastacie. Comme merde. Ah non, là si. Hop, interdire. Tiens, malvite papillote. Hop. J'ai de nouveau des pétards à te revendre. Hop. Qu'est-ce qui va péter un câble? Qu'est-ce qui ardarine? Pourquoi t'es pas content encore? Oui, ben on sait que Porképic. Ah merde, alors il voit les. Je vais peut-être les enterrer. Non, je pourrais aussi les brûler. Alors là, d'expérience, j'ai vu que ça allait être trop petit. Fèche. Il va falloir que je déplace mes murs quand je voudrais avoir mon poste de recherche. Enfin, mon. Comment ça s'appelle? La station géothermale. Il faut que je fasse d'autres tonneaux. J'ai un stock qui est tel de mou. Que je me retrouve à peu avoir assez de tonneaux et tout ça. Le problème, c'est que ça c'est susceptible de pourrir au bout d'un certain temps si je le mets pas dans une zone réfrigérée. Comme ma zone réfrigérée est pas hyper grande, dinde fière, mon Dieu, vous présente une requête. Oh, premier centre son favori. Bah, après avoir hébergé des écureuils, on va héberger des dindes. La dinde est ciblée par deux escouades mécaniques. C'est tellement ridicule quand on lit ça. Une soldate sera sous votre commandement, formidable. Ok. Bon, j'ai tout le monde à la maison. Oh là, Célestine qui est en panique aussi. Sevrage d'ambroisie, bah oui, forcément, sevrage, addiction à l'ambroisie. Bah ouais, il faut que ça descende maintenant, hein. Tant pis pour toi.
Jalouse de la chambre d'Onyx, tu m'emmerdes. C'est chiant la jalousie. Il faudrait que je lui mette. En plus, je crois que j'ai plusieurs jaloux de mémoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est jaloux? Hop. Non, j'ai que Célestine. J'ai que Célestine. Bon, écoute, je vais mettre des pots de fleurs chez Célestine. Hop. Comme ça, elle sera plus contente de sa propre chambre. Et donc, on va héberger une dinde poursuivie par des mécanoïdes. Le ridicule ne tue pas. Et ensuite, il faudra aussi que j'aille m'occuper de ce putain de brouillard pluvieux de merde. La précision réduite ainsi que la vitesse de déplacement, d'accord. Allez, bon, un épisode de 3 quarts d'heure, ça devrait le faire. J'espère que cet épisode vous aura plu, les enfants. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, ce sera fort apprécié. Et puis, si vous voulez rejoindre l'aventure, hein, vous voyez, Louri nous a rejoint. N'hésitez pas à laisser un commentaire également, me demandant cela. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt.